Fransadan kimya ixtisaslı mühəndisliyini bizə tədris etməyə gələn müəllimlər bizdə bu ixtisas üzrə həm maraq, həm də həvəs oyadırlar. Həmçinin Daniel Morvan. Düzdür, ixtisamlar, exercise-lər və calculation-lar çox çətin olsa da, lakin bizim bu fənnə, ixtisasa oyadılan həvəs və marağımız bu çətinliyi dəf etməyə yardım olur. Il se trouve qu'un peu par hasard, je suis allé dans une formation de technicien après le baccalauréat en France. Et là, je me suis passionné par la partie expérimentale, les travaux pratiques, et ça a changé ma vie. Et il se trouve que j'ai trouvé un travail dans un laboratoire de l'université pour participer à la formation des enseignants, etc., pour tenir le laboratoire expérimental. Et j'ai été recruté comme technicien. Et je suis encore dans le même laboratoire, Chimie Paritech. C'est l'école d'ingénieurs considérée comme la meilleure école d'ingénieurs en France en chimie. Et du coup, j'ai passé sur place, j'ai passé mon doctorat, j'ai été faire un post-doc aussi au Canada. Et voilà, j'ai été assistant, maître de conférence, professeur, j'ai dirigé le laboratoire, j'ai été directeur adjoint de l'établissement. Et maintenant, je me consacre plutôt à la partie enseignant. L'Université de Strasbourg cherchait à avoir des intervenants à l'UFAS et j'ai été contacté parce que j'ai écrit deux livres en chemical engineering et ils sont tombés sur mes ouvrages, ils ont trouvé que sur le plan pédagogique, c'était ce qui convenait. J'ai fait des interventions en Chine. Je vais à l'Institut franco-chinois d'énergie nucléaire qui a un peu le même format qu'ici, c'est-à-dire il faut former des ingénieurs et j'interviens là-bas pour faire les cours en chemical engineering également. Et j'adore ça. J'adore ça parce que quand on va ailleurs, on n'a pas le même public, on n'a pas les mêmes étudiants, on ne nous pose pas les mêmes questions et on ne donne pas comme ça les mêmes réponses. La différence, c'est que j'interviens avec des étudiants qui sont en cinquième année de formation. Du coup, c'est des étudiants qui apprennent le français et qui le maîtrisent mieux qu'ici. Du coup, là-bas, je fais les cours en français. Mais ici, les étudiants que j'ai devant moi, ils sont une trentaine, leur curiosité est étonnante. Et je trouve que les étudiants, d'ailleurs, s'expriment très bien en anglais. Ils ne sont pas là simplement pour apprendre, ils sont là pour comprendre. Et ça, c'est formidable. Pour moi, il y a deux sortes d'étudiants. Il n'y a pas les bons et les mauvais, ça c'est simple. Il y a ceux qui sont scolaires, qui savent apprendre beaucoup de choses par cœur, et parfois ils n'ont pas tout compris. Et il y a ceux qui peut-être sont moins scolaires, qui apprennent peut-être moins, qui travaillent peut-être moins, mais qui sont curieux. Et le monde doit évoluer. Si on veut le faire évoluer, il faut que les gens s'interrogent. Alors, très sincèrement, et c'est pas pour faire, des compliments excessifs, mais je trouve que l'organisation qui est mise en place ici est assez remarquable. Au quotidien, c'est très agréable. Et ça, moi, je pense que pour les étudiants, c'est fondamental. Parce que les étudiants, ils ont besoin d'être dans une famille. C'est un groupe, c'est pas une somme d'individus. C'est un groupe. Et ça, je trouve que c'est une réussite. Le but, c'est d'envoyer les étudiants quelque part. Ils doivent avoir un métier, ils doivent avoir une compétence, ils doivent être reconnus. Moi, ce que je leur ai dit, en tous les cas, aux collègues, et puis je pense qu'ils ont compris, même si on peut toujours dire les choses, la question après, c'est de le faire. Ça, c'est une autre, c'est plus compliqué. Il faut commencer maintenant à réfléchir sur leur projet, où j'aimerais travailler, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que je veux faire un doctorat? Il faut les encourager à regarder devant, pas dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, c'est bien. Parce qu'il faut toujours respecter d'où l'on vient. Il faut savoir où l'on va. Dans la vie, on ne gagne pas tout le temps.
C'est-à-dire, s'ils ont une mauvaise note, il faut qu'ils en tirent les conséquences. Pourquoi je n'ai pas eu une bonne note, etc. Et si je veux rectifier le tir, il faut que je me pose la question pourquoi j'étais en échec. Cela dit, on n'est pas toujours gagnant. Hein. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils oublient ça. Our lessons of chemical engineering are really productive because Professor Mauvin really knows the value of the time, trying to give us as much information as he can, explaining every sentence and even every word on the board or on the screen. It's really important and cool when teacher who met us for the first time really interested in our involving and understanding the process. So we are really thankful to FAS with this for this week with Professor Mauvin and looking forward for more cool teachers in this university.